faut expliquer. Alors en fait, on a fait un gâteau. Sauf qu'à cause de moi, je me suis trompée dans les proportions. On a mis 350 centilitres en trop. Et 100 grammes de sucre en trop aussi. Du coup, en fait, on a fait une pâte à crêpes. Donc notre gâteau, là, ça fait une heure qu'il cuit. On va couper notre gâteau par, qu'on va étaler sur une plaque et les faire cuire. Et tout ça, sachant qu'il est 22h. On a commencé avant 20h. Ouais. Et il est 22h. Et le truc n'est toujours pas cuit. Et sur la recette, il mettait temps de préparation 20 minutes. Et avant, on s'est dit, ah ça va, ça ira vite. Imaginez, on aurait pris un truc plus long. Imaginez, je m'étais pas trompée dans les proportions. Imaginez, on avait des moules à vie. La vie est trop en train de manger. Mais il est très beau. Mais il est un peu. Oui, en fait, la nuit, il a collé. Regardez, il y a des petits bouts. Mais laisse-moi faire. Faut y aller de main morte. Il est tellement pas cuit, regarde. Bah après, la pâte à crêpes, c'est pas fait pour cuire dans un moule, quoi. Voilà, tu vois, je vais goûter. N'oubliez pas que j'aime pas la menthe et qu'il y a de la menthe dedans. C'est comment? C'est chaud. Et bah pour pas vous mentir, je me sens que la menthe. Sérieux? Bah moi, j'ai l'arrière-goût, en fait. Ça sent bien la menthe, quand même. Moi, j'aime bien. Jamais il faudra que maman elle boit ça, hein. Elle va avoir tellement... Non, mais mes vlogs, je les montre pas à maman, de toute façon. Tu veux monter tes potes, tu vas passer, c'est mieux. On va se faire juger de tous les côtés. En fait, quand je coupe. J'en ai marre. Putain! Écoutez, je vais faire de l'archéologie, je vais vous reconstituer les petits. Moi, j'y crois, notre gâteau, on va le manger, coupe que coûte. Je peux pas couper parce qu'en fait, si je découpe quelque chose qui est pas cuit. Mais non, mais regarde, ça va faire comme ça. Attention, ne te coupe pas, hein, c'est un couteau qui coupe. On reconstitue. Lisa, restauratrice de gâteaux. Je vais parler de toi dans mes cours d'histoire de l'art. Mais au moins, on remarque qu'il y a des murs et du chocolat partout. Ouais. C'est pas tombé au fond. C'était notre grande peur. On aurait dû se foirer sans ça. Tiens, remets un bout de croûte. Donne-le-moi le bout de croûte. Tu veux le bout de croûte? Oui, je vais bien. Bon, ok, je vais le. Merci. Tu veux des biscuits de gâteau? En fait, ça a l'air d'être de la mie de pain, genre. On a pas du pain. On est française ici. On a la brioche parce que. C'est le stress de la caméra, ça. Mais tout à l'heure, on a pas du fou. C'est pas du tout propice à la cuisson. On a des petites fleurs comestibles. Je suis en train de me rendre compte que toutes les fleurs là, elles viennent du jardin de Mamie Bernadette. Enfin, on en peut en trouver. Donc, en fait, c'est Mamie qui fait son business. Dédicace à Mamie Bernadette. Moi, je pense que c'est bon. Hein. Angèle. Oui. Je décale pas. Je veux elle. Tu veux des fleurs? Mon gâteau. Tiens, elle est très jolie. On va la mettre. Super esthétique. Je vais prendre une photo.